Yaya, je suis agro-pharmacien. On dit chez nous, un groupement d'hommes n'a pas de conscience, mais un groupement d'hommes consciencieux a une conscience. Cela voudrait signifier que tout ce que nous faisons ici, si nous ne mettons pas les actions au bout de ce que nous faisons, les résultats vont toujours rester sans suite. Mango, c'est la plaine nourricière du Togo. Mango est devenue la convoitise de tout le monde. Mais Mango est dotée d'une population éveillée. Une population qui, face à l'injustice, est prête à mourir pour que la justice soit une leçon pour les autres. À cause de notre richesse, comme vous le savez pas tout à l'heure, les peuples qui vivent à côté des richesses sont des peuples qui côtoient la misère du matin jusqu'au soir. Donc, le quotidien du Mangolais est devenu, disons, l'enfer parce que le système ne veut pas que cette population prenne sa liberté. Liberté de se nourrir, liberté de se vêtir, liberté de travailler, liberté de s'épanouir. Au lendemain des indépendances, il y avait plusieurs projets qui allaient développer la localité. Mais par rapport à, disons, à certaines orientations politiques, ces grands projets ont été, disons, dissous ou mis sous les placards et la population est demeurée très, très, très pauvre dans ce carré rectangle de 56 600 km². Donc, ça veut dire que la population de Mango, disons, la population de Loti, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, c'est une population qui se bat pour une liberté qu'elle espère un jour l'accueillir comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais m'arrêter là, parce que celui qui devrait préparer cette, communication à la dernière minute a dit qu'elle n'était pas là, elle est prête à passer cette communication. Je vous remercie. Merci beaucoup quand même pour ce partage avec